tous et on se retrouve au studio de Thoman en compagnie d'un Guillaume Chenin malade. Voilà. <C'est> pas... Bonjour. Malade mais toujours aussi efficace. Ça va aller, ouais. On fait. On ça essaie. N'affecte en rien ses compétences guitaristiques, donc c'est bon. Quand on part de là, tu sais. C'est... Mais, oh là là, non. Non, ça va. Ça va aller. Ça fait. C'est le meilleur remède. Exactement. On va dire ça. On va dire ça. Et on se retrouve pour une vidéo, étant donné qu'on est chez Thoman, pour des rigs spéciaux Harley Benton. On s'est dit, on est chez Thoman, tant qu'à faire, autant se faire le rig le moins cher possible, meilleur rapport qualité-prix, avec du full Harley Benton, et bah, voir comment ça sonne, en c'est fait, ça, ouais. Tout simplement. Bon, toi, peut-être que tu as essayé beaucoup plus de matos Harley Benton que moi. J'ai eu l'occasion d'en essayer pas mal, en effet. Du coup, c'est vrai que je suis plus parti sur rapport qualité-prix plutôt que moins cher possible. Oui, c'est ça. Bon, ouais, c'est pareil pour moi. J'ai dépensé de l'argent. Genre, sans compter. Sans compter. Sans compter. Mais comme ça, les Benton, ça reste... Oui, c'est près, ça. À peu moi, près c'est abordable. Pareil. On est parti sur des modèles de guitare qui ne sont pas les entrées de gamme Harley Benton, mais justement qui offrent un super rapport qualité-prix, étant donné les finitions qu'on a dessus et tout. Donc, on a guitare HB, ampli aussi, un ampli chacun Harley Benton, et un petit pedalboard, voilà, qu'on s'est fait chacun. Comme ça, on va voir un peu à tour de rôle tous les éléments du rig. Mm-hmm. Et on va voir comment ça sonne, sachant que moi, j'ai fait un petit mélange et des pédales que je connais déjà, que je vous avais conseillé d'ailleurs dans ma vidéo spéciale « Idées de cadeau de Noël ». J'ai d'autres pédales que je connais pas, comme la wah-wah, l'ampli, qu'on avait déjà testé aussi une fois, que je trouve mortel. Ah oui, donc, oui c'est vrai, oui, ouais, l'an dernier. Ouais. On en avait parlé. Donc voilà, l'idée, c'est on mélange un petit peu les trucs que je connais et que je connais pas. Mm-hmm. Et puis, comme ça, bah, on voit le rig qu'on arrive à avoir en termes de son, quoi. Alors, en termes de guitare, moi, j'ai choisi la Guthrie Govan de chez Harley Benton. C'est pareil, je l'avais jamais testé, je l'avais juste vu en photo. Et je m'étais dit que ça serait sympa. C'est une super strat et c'est vraiment inspiration, si vous connaissez le modèle Guthrie Govan. C'est un petit peu ça, donc avec la config, là on a une config double, simple, double. On a 5 positions, du coup, et on a surtout une super, super table. Attends, elle est super belle, hein. Franchement, la table est cool. Alors la table n'est pas parfaitement symétrique. J'ai vu dans les commentaires sur le site qu'il y en avait qui disaient « Non, mais la table n'est pas symétrique et tout. » Oui, bah évidemment, oui. C'est une guitare qui coûte 250 €, je crois. J'ai regardé ça juste avant, 270, il me semble, quelque chose comme ça. Okay. En tout cas, voilà, là, entre 250 et 300. Et rien que la gueule, c'est vraiment mortel. Un truc que je kiffe, celle que tu m'avais envoyée aussi pour le test à la maison, la Strat, avait le même manche. Ouais. Le manche est mortel. Ouais. Le profil est vraiment trop cool. C'est un profil qui est en C, avec une finition satinée, qui est ma finition préférée, en fait. Je préfère largement ça au vernis brillant. Et bord de touche ultra clean, franchement très très propre. T'as une belle flamme sur le manche en plus, c'est beau comme tout. C'est vrai que le manche est très joli, regardez. Si vous le voyez, franchement, pour le prix, on a le manche qui est roasted, roasted, donc étuvé. Super jolie étuvé couleur. En français, vraiment? Je crois que c'est étuvé, ouais. Oh, à chaque fois, peut-être que je me plante, mais normalement, je te fais étuvé. Absolument confiance. C'est... On a petite finition brillante sur le devant, finition satinée derrière, mécanique autobloquante, chevalet un peu flottant. Un peu rigide. Ça, pour le coup, le chevalet, c'est peut-être pas la partie la plus réussie, même si c'est super efficace. Et que ça tient pas mal l'accord. J'ai testé tout à l'heure. Ça tient bien. C'est juste en termes de ressenti, forcément. Juste avant, j'avais testé les Ibanez à 2000 balles. Oui, forcément, c'est un peu moins bien. Mais ça fait grave le café. Et en termes de frettes, j'ai quelques frettes. Voilà. Où tu les entends un peu, ouais, je sais pas si on entend. Ça accroche un peu, mais rien qui soit... dramatique, rien qu'avec un petit coup de polish, un petit coup de polish passe. Et du coup, qui sonne plutôt bien. Mais tout le jazz. Qui est plutôt jazz, ouais, on décale juste le même accord et ça fait du jazz. Mais hein. C'est ça. C'est magique. Hein. Mais ouais, franchement, super confortable à jouer, très très cool. On va voir après quand on fera d'autres jams, un petit peu peut-être avec plus de gains et quand on parlera du pedalboard. Mais comme ça,
super gratte, super confortable. Le réglage aussi est pas dégueu. Ça pourrait être juste un poil plus bas, mais le manche est clean. Ok. Pas grand-chose à dire. Pour le prix, franchement, très très bien. Et toi, Bien. tu as la Alors, signature Swanvod, c'est j'ai ça? la signature Swanvod, mais en étuvé. Étuvé, Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'était du jambon ouais, étuvé. C'était, enfin bon, bref. Non, c'est étouffé en plus. Voilà. c'est Allez, je suis malade, ça. hein. Ouais, c'est bon, On t'inquiète. m'excuse. Mais oui, signature Swanvod, très bien, très bien. Plus simple. Je crois que le nom c'était E69. On l'avait testé déjà celle-là, je crois aussi. On l'avait joué une fois. C'est possible. Elle a dû sortir juste avant que tu viennes la dernière fois. Ah non, la dernière fois, Elle est c'en assez était une qui était récente. rouge avec une table flammée. Et Ah, c'était des puis des P90, ouais, P90, avec les P90 ouais. dessus. Ouais. Parce qu'elle a dû sortir ouais, courant de l'an dernier, celle-ci. Et ouais, elle est juste très très bien. C'est donc légèrement semi-hollow. Ouais. Et puis sinon, bah, ça fait la Super Telecaster, petit. quoi. Les looks sont vraiment mortels en tout cas. Ouais. Franchement, Non, c'est bien fini en visuellement, c'est plus. cool. Pareil, les bords de touche ou quoi, j'ai pas de soucis. Les frettes, j'ai même pas noté Ah ouais? Ah, peut-être là un peu plus sur. Et encore, c'est Ouais. léger. Mais ouais, enfin, plus sur un modèle tradit, de toute façon, avec les mécaniques type Fender. Ouais. Et non, ça sonne vraiment bien. Mortel. Elle, ça Non, sonne ultra bien. ça Elle sonne sonne super ultra bien, bien. c'est tout doux. Ouais. Ça joue bien. Franchement, Rien à c'est dire. ultra chaud, c'est rond. Je pense que c'est un peu le même type de profil de manche, c'est en C, c'est pas trop plat, c'est pas trop gros, c'est un bel entre-deux, je trouve. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un peu le profil type Ouais. qui matchera à peu près tout le monde C'est ça. et que tu le retrouves sur toutes les grattes, quoi. Ouais. Et c'est très bien parce qu'il est cool. Mais putain, le son, super. Hein. En position manche comme ça, là, sur celle-là, Ouais. vraiment très très bien. Sachant que sur les deux, les micros, c'est des Roswell. Roswell, c'est leur micro à eux, en fait. Hein. C'est Oui, ça, c'est les micros qu'ils oui, oui. développent eux. Et puis, voilà, c'est pareil, les mécaniques aussi sur les Benton. On n'a pas dit, c'est fabriqué Indonésie. Ouais, Toi aussi, c'est c'est Indonésie, c'est Indonésie ça? aussi, ouais. Voilà, donc c'est. Tu évoquais que c'était peut-être l'usine Cort, c'est ça? Oui, je crois. Alors après, d'un modèle à l'autre, je sais qu'il y en a certains qui sont faits dans une autre usine indonésienne, mais pour la plupart, en tout cas, c'était fait là-bas. C'est ça, voilà, parce que les usines indonésiennes fabriquent plusieurs marques en Ouais. général. C'est comme des grossistes un petit peu en fabricant de guitare. C'est ça. Mais ce qui est cool, parce que du coup, étant donné que les grattes qui sortent de là-bas en général sont très bien, Ouais. c'est bon à savoir que les modèles Harley Benton, un peu haut de gamme, Je donc viens à 200 euros. en vrai de me rendre compte que mon potentiomètre de tonalité était à mi-chemin. D'accord. Ah, bah, c'est pour ça que c'était chaud C'était et que c'était rond. chaud et rond, mais en Vas-y, vrai. retasse-toi. C'est toujours rond, C'est c'est toujours toujours bien. joli, c'est toujours bien quand C'est même. toujours super bien. Hein. Mais voilà, juste Non, pour non. l'info. Mortel. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite jam et on parle des amplis juste après. Allez. Parce que pour le coup, ton ampli a vraiment pas l'air dégueu. Non, il est pas mal. J'aimerais On que est tu m'en bien, parles un on est bien. peu. Ok. Tu as une tête, V. toi, qui C'est est branchée la. dans un câble aussi V. Harley Benton. V. Tout Harley Benton. Mais même les câbles à l'arrière, c'est Harley Benton. Waouh, mais incroyable! C'est pour ça que ça sonne aussi bien, c'est le câble. C'est donc la Harley Benton 30H pour head, parce que c'est une tête. C'est des EL84 et ECC83S Évidemment.
en préamp et ampli de puissance. C'est super bien. C'est la première fois que je la branche. Ouais. Je l'ai vu passer. C'est un peu le même genre d'architecture que ce que Celui que j'ai, tu ouais. verras après. Mais en 30 watts, en deux canaux, avec un canal d'overdrive, une Ok, ouais. égalisation partagée et une réverb, qui est très bien. Et 30 watts, je suis dans le clean, dans l'input low, et c'est juste, c'est que du headroom, et ça prend les pédales, et c'est tout doux, et c'est comme ça que j'aime bien utiliser ces amplis de toute manière. Donc, C'est cool. Ouais, et c'est quel prix ça, du coup? 449 euros pour celui-ci. 449 balles. Ouais. Ok, quand même, quand même. Oui, ah oui, c'est pas donné, mais honnêtement, c'est solide. En plus, c'est pas trop lourd. J'étais agréablement surpris du poids quand je l'ai ramené. Le design est cool. Le design est C'est une bonne cool. gueule. C'est une bonne gueule. Ça passe dans un des anciens câbles Harley Benton. Maintenant, on utilise principalement ceux-ci, mais là, c'est les mêmes haut-parleurs qu'on a dedans. C'est un Ok. V30 et un Crimback Ok. 65. Donc c'est du C'est du Celestion, Celestion. ouais. C'est ouais. C'est mortel, quoi. C'est très très bien. Honnêtement, c'est génial. 30 watts, en plus, là, je suis à 3, mais on est suffisamment Ouais. fort. C'est un ampli qui fera un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, non, ça sonne ultra bien, franchement, avec ça là-dedans. Ouais. Top. Et de toute façon, même le Harley Benton, le cab, tu t'en sers quasi tout le temps. En permanence. Ouais, Peu importe c'est les ça. amplis qu'on a dedans, on utilise principalement ceux-là parce que, à plus forte raison, le côté Crimback, en général, c'est là qu'on met le micro. Ouais. Ok. Et que ce soit Chris ou moi, c'est notre haut-parleur préféré. Et qu'on utilise des têtes à 3000 balles ou à 300 tout le temps. C'est mortel. Tu peux nous faire écouter avec un peu de drive pour Bien sûr. voir ce que ça donne un peu énervé. C'est très très bien. Ça bute un peu, C'est hein. vraiment très très bien. C'est très très Ouais, bien. non, c'est abusé. C'est abusé. Je suis jaloux. Mais Le mien sonne moins bien, c'est. je trouve. Mon rig sonne moins bien là. Ouais, mais c'est plus. Voilà, c'est plus cher aussi. C'est C'est plus cher, pas. c'est plus gros. Ouais, t'as. C'est encombrant. Et le drive, on va en parler juste après, mais Ouais. ça sonnait C'est très très bien bien. là. C'est bien. Ah ouais, franchement. Non, Bravo. je Bah ouais. suis. On voit que C'est. t'es un expert. Alors. Harley Benton là. Et sans déconner, c'est la première fois que j'utilise un rig Harley Benton du début à la fin et que je me dis, ouais, je peux sortir en concert avec ça, Ouais, non, là, là, aucun je souci, peux hein. faire mon John Franchement. Mayer, j'ai ma reverb, mon delay et deux étages de gain et Oui, sachant que hier, vendu. toute la journée, on a testé aussi des très très bons trucs sur des très très bons amplis et Ouais, tout. Et bien voilà, sûr. genre, franchement, on n'est pas. On n'est pas si loin que ça. Ouais, c'est pas des années-lumière, hein, du tout. C'est vraiment bien. Parce que moi, de mon côté, j'ai la version moins chère. J'ai la V. version combo, V. 15 watts, switchable 15 watts ou 1 watt, c'est ça? Ouais, c'est T'as un ça. petit C'est switch. ça. Donc, c'est petit ampli à lampe, pareil, haut-parleur Celestion dedans. On peut le pousser suffisamment pour que ça crunch, Oui. même que ça Ah, oui. sature pas mal du tout. Et on l'avait déjà testé ensemble, j'avais trouvé ça très très cool. Celui-là, il a 250, Ouais. je crois. Oui. Et franchement, C'est. 250 balles, 15 watts à lampe avec un Celestion dedans, qui a une bonne gueule en plus et qui sonne bien. Et oui, celui-ci, j'ai passé plus de temps avec, et que ce soit en plateforme pour tes pédales ou quoi, ou même juste, voilà, tu veux tout mettre à 10 Ouais. et faire ton Keith Richards ou je sais pas quoi, Et envoyer. il passe bien, Et il est puis bien. en plus, si vous cherchez justement un truc pour faire des petits concerts, 15 watts, lampe, Ah ça suffit oui, largement. largement. Et pour bosser à la maison, vu que vous pouvez le switcher en 1 watt, en fait, c'est nickel, quoi. C'est vraiment, très très bon ampli, un peu polyvalent, et qui prend bien les pédales aussi. Et si moi, si je rajoute un peu de drive, ça va sonner comment, cette histoire-là? Mais c'est
tout douce que t'as sorti cool. à la fin. À la là. fin, j'étais plus d'humeur à faire du Duke du ah, sale. Mais c'était... Voilà. Ouais, non. Mais ultra réactive aussi, ça permet aussi de montrer que là, j'avais le full 2 overdrive activé. Ouais. Et juste en enlevant du volume sur la gratte, franchement, on arrive à récupérer du contrôle. On a un peu de bruit, mais pas tant que ça. Oui, c'est léger. Mais ça va. Sachant qu'en plus, je suis sur une position... Ouais. Nickel, il n'y a rien qui choque. Non, en fait, ça va, c'est nickel. Non, franchement, très très sympa. Ouais. Et en petit drive aussi sur tes recommandations, dont on va parler juste Ouais. après. Mais déjà, même sans les pédales, en fait, rien que le combo gratte ampli, là, Ça passe bien. il est mortel. Pour à peu près 250 balles la pièce d'équipement, donc la guitare et l'ampli. Franchement, très très cool. Et surtout, bien fini, quoi. Je trouve que globalement, pas grand-chose à dire là, à part les frettes sur la mienne, où je passerai un petit coup, Ouais, quoi. ouais, Juste, mais bon, ça c'est un truc que c'est pas une opération compliquée à faire, je quoi. C'est comprends. vraiment, ça se fait super facilement. C'est super intéressant. Ouais. Non, moi j'ai remarqué juste après qu'on en ait parlé, je sais pas si c'est un bout de plastique qui a été mal coupé à l'intérieur du sélecteur, je sais pas si tu vois ça. Ah ouais, ça Voilà, donc dépasse un peu, ça ouais. met un petit coup de lime là-dedans peut-être, à la limite. Ouais, c'est ça. Mais Moi, les inserts, parce que je regardais pareil tous les points où en gros ouais, d'habitude ça c'est peut être un peu ça. crado, les inserts du vibrato sont ultra propres. Ils sont très très propres au-dessus. J'avais une Gibson spéciale et le vibrato, c'était pas fait aussi propre. Que, tu vois, c'était vraiment crado de ouf. Alors c'était pas grave parce qu'elle était jolie et qu'elle sonnait bien. Mais là, c'est très clean, même les défonces et tout. En termes de finition sur celle-là, tout est très propre. Pareil, là, le sélecteur, il n'y a pas de souci. La table est belle. Non, franchement, de mon côté, celle-là, aucun problème. Content, content que ça te plaise. Mais oui, mais j'aime beaucoup la Good Cop, Bad Cop. Evil Twin, c'est ma préférée, donc je l'ai prise pour moi parce Ah, que je comprends. Je comprends. C'est pour c'est ça que tu comme sonnes ça. si bien. Celle-ci, Good Cop, Bad Cop, et le petit Blues Breaker, la petite pédale typée Blues Breaker. Ouais. Je me souviens, Blue. Alors, Elle a un elle nom, est de quelle couleur? Elle est de quelle couleur elle est déjà? noire et bleue, Ok. pareil, inspirée, mais très bien. Et je crois qu'elle coûte 20 balles. Bah, Ou même pas, elle doit être à 17 mais c'est euros, comme un la truc Big comme ça. Fur, là, je l'avais testée pour Ouais, Noël. c'était bien, c'est La ça. Big Muff, elle est trop bien, Ouais. quoi. Elle coûte 20 balles, elle est trop stylée. Et bah, tant qu'à faire, on n'a qu'à passer au pedalboard directement, vu qu'on a abordé le truc. Oui. Bah, tu peux commencer peut-être toi, vu que c'est un peu plus simple C'est ce que plus tu simple. as sous les pieds, là. C'est deux de la dernière série de dual Ouais, pedal de... deux pédales en une à chaque fois, C'est quoi, en ça. gros. De Harley Benson, la Evil Twin qui est un overdrive typé pareil un peu Blues Breaker et l'autre un peu plus Tube Screamer, Ok. et la Duality qui est une reverb et delay avec à chaque fois trois modes, je me souviens plus exactement, ça doit être plaque, ressort et studio, ah non, studio, church, donc Ok, église, ouais. et plaque pour la reverb et analog, Tu vas avoir 10 000 real. pédales. Ah, ça doit être, oui, digital pour le delay et tape pour delay à bande. Et ce qui est très cool aussi, parce que pareil, moi aussi, c'est une double que j'ai là, c'est que tu peux configurer. A dans B, B dans A, Ouais. ou en parallèle aussi. Oui, C'est ça, tu as trois modes, je crois. c'est trois modes, Ouais. c'est soit l'un dans l'autre, l'un dans l'autre dans l'autre sens, ou bien l'un ou Ou l'autre. l'autre, Et d'accord, en ok. fait, c'est un espèce de mode flip-flop où au lieu de pouvoir... stacker en gros les deux côtés de l'overdrive par exemple, tu peux passer Ok. Trop bien. et passer de Ok, passer trop d'un côté cool. à l'autre Et sans ça te avoir désactive à... directement l'autre quand tu passes. Exactement, ouais. Et Trop, ça, ne trop serait-ce cool. que, enfin, moi pour l'overdrive en tout cas, je trouve ça absolument génial. Ouais, Je c'est trouve une que très bonne idée. ça devrait être partout. Et typiquement, pour la reverb délai aussi, ça permet d'avoir soit le délai dans la reverb ou le reverb dans la délai. Exactement, ouais. La Là, reverb dans le délai. ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est pas moi qui ai fait une faute. Ah, voilà, tu parles. C'est moi les fautes, c'est Je les ça collectionne. y va. Mais ouais, très 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 cool bien. ce délire-là, sachant que moi, c'est une autre double overdrive que tu m'avais recommandé, la Good Cop, Bad Cop, avec une très jolie couleur fuchsia. Oui. Et on a... Alors ça, c'est inspiré quoi C'est comme drive? plus le blues driver de Boss d'un côté et le côté overdrive, c'est typé Marshall, il me Ok, semble. d'accord. Parce que ça va sonner, alors bah, je vais montrer les deux. Donc clean. Ouais,
Donc là, il est réglé vraiment très léger, juste pour ajouter un petit peu de drive ou quoi. De l'autre côté, on en a une un peu plus vénère. Et on peut stacker les deux. Alors là, je rentre A dans B. Voilà. Donc super cool dans le petit boîtier comme ça d'avoir les deux drives dedans. Ouais. C'est un format que je kiffe parce que c'est vrai, en général les drives ça va un peu par paire. C'est rare d'avoir qu'une overdrive, tu ouais, vois. Ouais. Donc c'est pratique d'avoir dans un seul boîtier les deux, surtout que c'est des copies en fait de drives oui, que tout le Et monde d'ailleurs, utilise quoi. Si je me suis planté par rapport à ça, parce qu'il y en a Oui. pratiquement une de chaque, c'est dans la description du produit à chaque fois, ce qui inspire le côté Ok. droit, le côté Ok. gauche, c'est toujours écrit. C'est assumé. Parce que des fois, hein. Ouais, normal. Non, super cool. Aussi, vous aurez vu, j'ai toujours le petit Dynacomp que je kiffe beaucoup, qui coûte, sachant que ça, c'est 50 euros. Ouais. Les tiennes aussi, c'était 50 euros. La dualité est même un peu plus chère, je crois. Elle doit pas être loin de 80. Ok, ouais, Daily Reverb, en général, c'est toujours un Ouais. peu plus cher. Moi, mon double drive, c'est 50. Le Dynacomp, c'est 30. Ouais. Donc, c'est un petit compresseur que je laisse toujours activé. On a fait une vidéo sur les compresseurs. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-là. Mais en gros, là, ça me permet comme ça de lisser un petit peu mon signal d'entrée. Et comme ça encaisse mieux le drive et les effets par derrière. J'aime bien avoir toujours un petit compresseur comme ça en début de chaîne. J'ai aussi le délai qui est très très bien. Qu'on peut pousser évidemment beaucoup plus. Alors, tac. Donc très bon petit délai, typé un peu analogique quoi. Ultra simple, ça je kiffe, on a niveau, répétition, durée, et il y a juste un switch pour rendre les répétitions plus ou moins longues, en Ouais. fait ça dédouble je crois, ou quelque chose comme ça. Pas de choix de mode, ça sonne bien de base, c'est très bien comme ça, c'est ce que je kiffe. Donc bien 50 balles aussi, Ouais. celui-là, et les répétitions sont très clean. J'en avais testé d'autres, Charlie Benton, où ça t'entendais un peu le digital, tu vois, Ouais. tu sentais, alors que là même si tu mets des répétitions longues, enfin nombreuses. Très propre. Ouais. Franchement, délai super cool. Et pour le fun, j'ai testé un truc que je connaissais pas, c'est la Wah-Wah Harley Benton. Et ça, alors, elle fait bien le café. Si on enlève un peu de délai. Ça fait le taf, ça sature un peu quand même. Ouais. Elle est un peu crado, Ouais. je trouve. Donc en fonction du son qu'on recherche, ça peut être cool. Après, c'est pas peut-être la meilleure pioche du pedalboard, je trouve. Ça fait grave le taf là pour les cocottes Wah-Wah ou Oui, quoi, c'est ça suffisant, c'est marche bien. suffisant. Parce que ça coûte 60, je crois. Je crois qu'elle coûte Dans ces 60, eaux-là, ouais. celle-là. Sachant que, en fait, c'est vrai que si on regarde les Crybaby ou quoi, en fait, c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher, non? C'est autour des 100 balles, non? Tu trouves des Vox ou des. Où ça a monté, ces 100? D'occasion alors, hein, parce que Ah ça ouais? a monté, il me semble. Ah merde. Mais bon, enfin, t'es pas trop trop loin. Après, c'est vrai que celle-ci, je la mettrais plus dans cette catégorie.
tu as vraiment besoin d'économiser, Ouais. tu veux essayer le truc. C'est Et ça. voilà, c'est ta première voix, tu veux voir ce que ça donne, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu es prêt à mettre un peu plus d'argent ou quoi. Ouais. Je pense Ouais, que. carrément. Mais sinon, globalement, le pedalboard, donc on a les deux drives 50 balles, le comp 30 et la wah-wah 60. Donc là, on a 250, grosso modo, c'est ça, si je me trompe Ouais, c'est ça. pas. Bah, Non? ouais, en Ouais. gros, t'es à 750 pour l'intégralité du truc, quoi. Ouais. Pour le rig complet, quoi. Et le rig en mode C'est ça. sans trop de concessions, en fait. Ouais, Parce ouais. que l'ampli est mortel, la gratte aussi. À part la wah-wah, là, franchement, comme toi, c'est un truc dont je pourrais me servir. Toi, c'est un peu plus cher. Moi, je suis plus cher, hein. La guitare est plus chère, les pédales sont... Bon, j'en ai Elle n'est pas beaucoup plus moins. chère que celle-là, hein, je crois. C'est dans les 260, 70, Quelque non? chose comme Ouais. ça. Les pédales, j'en ai moins, donc c'est moins Tu cher, mais récupères un je peu me dessus. rattrape rapidement avec Ouais. les amplis. Enfin, l'ampli et le câble, où là, je dois être aux alentours de 600 et quelques, 700, Ouais. juste avec l'ampli. Mais l'ampli, franchement, je suis un peu sur le cul quand même, moi. Il me plaît C'est beaucoup, ouais. vraiment vénère. Hein. Il me plaît beaucoup. Tu veux le jouer un peu? Ouais, Tu veux, grave. si tu veux, on échange. On échange. Tu joues ça avec. Et moi, je joue. Et moi, je veux bien tester aussi la gratte. Ah. Tu veux pas tester? Ok, T'aimes pas la Govan? ok. T'aimes pas la Govan? Et j'ai oublié de préciser aussi, sur mon pedalboard, c'est une Alim Harley Benton aussi C'est qui est vrai, dessus. c'est vrai. Alors qu'on en avait qu'une, donc moi, j'ai pris l'autre qui traînait là. Je sais pas combien il y a de sorties dessus, c'est quoi? C'est 8 C'est sorties? 8 sur celle-ci, ouais, mais elle est aussi déclinée en 10 et 12, il me semble. Moi, D'accord, ok. chez moi, sur mon board perso, j'utilise ça et c'est la 12. Ouais, bah franchement, très très bien. Très bien. Un petit jam? Allez, c'est parti. Celle-là, autant celle-là est cool et tout, je Ouais, trouve, en ça termes va, mais... de confort, mais celle-là est vraiment très, 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 très bien. Ultra, effectivement, les frettes vachement plus Mieux, clean ouais. que la tienne, et ouais, elle est juste super agréable à jouer en fait. Elle sonne trop bien en plus. Le claquant, tu vois le. Bien réglé et tout, c'est abusé. Franchement, celle-là, elle est vraiment très, très, très bien. On avait testé la Sire hier, là, qui était vachement bien pour un peu plus cher, mais Ouais. pour ceux qui n'ont même pas forcément le budget pour taper dans le Larry Carlton. Non, puis en plus en thin line comme ça, Ouais, c'est ça. c'est joli comme tout et Et puis c'est rond, c'est chaud, mais t'as quand même du claquant et tout. Flotte faut. un peu, là, tu manottes le go, tac, et ça passe sans problème, ça. Voilà. Mais c'est vrai Mais. que c'est la première fois où j'ai un rig complet Harley Benton où je me dis, ouais, j'ai rien à changer, j'ai rien à redire, je suis Ouais, vraiment content. bord de touche et tout, super, ouais, profil de manche, parfait, rien à dire. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, qui pensaient acheter une gratte ou quoi, c'est très très bonne pioche. Là, perso, recommandation, ça serait celle-là, des deux grattes qu'on a testées aujourd'hui. Pour l'ampli, bah, l'ampli c'est surtout le budget. Le Ouais, c'est budget, ça. l'utilisation que vous voulez en faire, là Ouais. c'est plus gros. C'est pas tranché de la même manière. Et C'est c'est vrai ça. que c'est plus gros, c'est plus cher, c'est plus. Il n'y a pas la possibilité de le descendre à un watt, donc ça peut vite être un Ouais, problème si tu veux jouer à la maison. Mais si tu carrément. cherches quelque chose pour Ouais, mais si vous jouer. avez voilà, un peu plus de budget et le confort de pouvoir vous permettre de faire un peu de bruit à la maison, celui-là est mortel. Et le petit aussi est très très bien si vous voulez un truc un peu plus modulable, jouer à la maison et dans des petits concerts, et que ça prenne des pédales correctement, les deux, honnêtement, les deux avec les Celestions, ça sonne très très bien. Pour le pedalboard, pareil. Tout est cool, là, le drive que tu as sur le tien, il sonne trop trop bien aussi. Hein. Le combo marche vraiment très bien. Surtout, sur celui-là, j'ai tout kiffé, sauf un peu moins la wah-wah. Mais sinon,
tout sonne bien aussi. Plutôt Belle pioche. content. Ouais, Belle bah, pioche. franchement, bonne découverte là, pour tout ça. Attends, de toute façon, ils vont ressortir encore 250 modèles cette année de Oui, tout et n'importe quoi. Donc, on on n'en peut doute refaire pas. la même la semaine, Bah, l'année prochaine. peu importe la guitare que vous cherchez, Harley Benton a sorti une copie qui est vraiment pas dégueu normalement, donc n'hésitez pas à checker ça. Vous aurez les liens, comme d'habitude, affiliés en description, si vous voulez checker. Pareil pour les pédales, si vous voulez avoir plus de détails. Et puis on vous dit à la prochaine Bah oui, pour une nouvelle vidéo. à bientôt. Allez, ciao, ciao.